va revenir à l'estrade également Idir et Shalfa pour lancer le débat et des questions. Merci d'indiquer la présentation, le numéro de la présentation et la question au moment de poser. Je passe la parole à mon collègue. Bon. Merci, M. Sba. Donc, allez-y. On va lancer donc un bref débat. Donc, Madame Chader. Quelques questions? Le micro. Monsieur. Le micro. Le micro. Oui. Et à travers vous, je voudrais peut-être conseiller les autres étudiants de ne pas mettre trop de détails en ce qui concerne votre travail, parce que vous aviez montré le schéma avec la plaque magnétique qui se déplace, avec tous ces détails, il vaut mieux ne pas les mettre, surtout que vous n'avez pas encore écrit votre publication. Maintenant, à l'état actuel, puisque c'est présenté Fayhed les journées, et je crois que mon collègue Talenapi il va partager mon avis, vous n'aurez pas le droit de mettre ça dans le brevet et dire je vais protéger ces résultats. Là, c'est une idée. Donc, dans les prochains événements, j'invite aussi les promoteurs et les directeurs de thèse de veiller à ce que leurs étudiants, quand il y a un événement ou là une manifestation, qu'ils ne mettent pas vraiment trop de détails. Dans d'autres événements, vraiment, il dit des choses, mais il ne rentre pas dans le détail, surtout quand ce n'est pas encore publié, ce n'est pas encore valorisé, évitez de le faire et il faut veiller à ce que ça ne soit plus... Parce que donc, c'est vrai, on est entre nous, mais le schéma avec le détail, le déplacement et tout, il faut éviter de le faire tant que vous n'avez pas soumis votre publication ou rédigé votre brevet. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. D'accord. Merci, Madame Chader. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires. D'autres questions? Des questions. Ah. Merci. Tout d'abord, je dois dire que je suis agréablement surpris par la façon de présenter vos projets. Je vous en félicite toutes et tous. Donc, et j'ai une première question concernant la première présentatrice. Je m'excuse, j'ai oublié votre nom. De toute façon, donc, vous travaillez dans les emballages, c'est un sujet de façon qui m'intéresse beaucoup. Donc, je ne sais pas à quelle étape vous en êtes déjà, mais je souhaiterais savoir c'est quoi les identifiants que vous allez utiliser pour savoir, par exemple, que votre figue a déjà des problèmes fongiques à l'intérieur. Est-ce que vous utilisez ce qu'on appelle les ITT, les identificateurs température et temps? Est-ce que c'est ça que vous allez utiliser ou bien vous avez d'autres méthodes pour détecter la présence des problèmes fongiques à l'intérieur? Et merci. Là, on va utiliser quand même des méthodes d'analyse. Par exemple, là, j'ai cité par exemple la lampe UV. Si on met la figue sèche sous une lampe UV, donc les mycotoxines, la contamination fongique, ça paraît en coloration, si je me rappelle, bleu. C'est-à-dire là, on peut savoir quand même qu'il y a une contamination à la surface
de la fille. C'est ça, enfin, ça c'est un identificateur exactement qui est utilisé, c'est vrai. Mais si le problème est à l'intérieur, il n'est pas détecté à l'extérieur, on ne peut pas le voir à l'extérieur, vous faites quoi pour le savoir justement? Pour voir la contamination à l'intérieur. Donc là, on peut faire des méthodes de caractérisation microbiologie, par exemple, par les analyses, donc par les milieux de culture, ensemencement, sur des milieux de culture qui identifient la contamination. Par exemple, PDA, c'est normalement utilisé pour... Oui, c'est ça. Justement, est-ce que cette méthode ne va pas sacrifier le fruit? Sans détériorer le fruit? Oui. Pour les modes opératoires, donc, pour l'instant, je n'ai pas fait... Bon, madame, c'est pas. Bon, monsieur, vous avez masqué. C'est pas. Allez-y, monsieur. Dadibay. Si, Saha. Donc, ma question est destinée aux porteurs de projet. Excusez-moi le nom, on n'a pas retenu. Donc, le projet de l'énergie. Alors, vous avez à un certain moment. Et je vous remercie pour la communication, elle était excellente. Merci. Et excusez-moi, en tant que représentant d'une structure de valorisation, ma question, nous on voit d'un autre angle, on ne voit pas comme un chercheur ou quelqu'un professionnel du secteur, nous on voit aspect valorisation. Donc je poserai une question, peut-être que vous avez eu l'idée ou pas, je ne sais pas. Vous avez démontré que vous allez utiliser plusieurs projets qui existent, la chaussure électrique, la chemise, le capteur de mouvement et tout. Oui. J'imagine que vous allez associer tout ça pour... donc ça va être... vous allez acheter des brevets lorsque vous allez commercialiser votre projet. Si on prend par exemple un appareil téléphonique, un portable, vous savez qu'il y a plus de 1000 brevets dans un téléphone, un smartphone. La caméra à elle seule, plus de 110 brevets d'invention. Bon, ça se fait. Si vous allez utiliser, telle technologie, telle. Et vous, votre innovation, c'est de mettre en synergie, de rassembler tout ça. Et donc, vous allez acheter des brevets. Il faut penser, si vous allez commercialiser ou vendre votre brevet, la rentabilité. Plus tard, ce n'est pas seulement de faire... on a dit au début, des projets... qui ont un impact socio-économique, donc avec la société et l'économie. Est-ce que vous avez fait une petite analyse dans ce sens-là? Merci. Je crois que le dispositif exposé, donc, il va être certainement rentable sur la société, puisque ça remplace le souci des batteries. Ça rentre aussi dans le domaine des énergies renouvelables aussi. Ainsi que produire des énergies de manière permanente et non pas être conditionné par une batterie ou par une prise, ou alors si on sort d'avoir une prise mobile avec nous. Voilà, en termes de commercialisation, je ne me rappelle pas. Plusieurs brevets. Oui. Parce que vous allez utiliser plusieurs technologies dans une seule. Ce sont des idées, des dispositifs qui existent, mais qui utilisent uniquement des technologies. Par exemple, notre dispositif utilise un triplé de technologies, tandis que les autres utilisent uniquement une à deux. D'accord. Donc on a essayé de les associer afin d'augmenter la tension aussi. D'accord. Vous allez utiliser des technologies d'autres personnes. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Ça veut dire qu'il y a trois technologies que vous allez faire la combinaison. Oui, mais ces brevets-là, vous ne pouvez pas les utiliser tant que vous n'avez pas les droits. Non, on n'utilise pas les brevets. On utilise uniquement... en fait, ce sont des composants qui existent dans chaque
Il y a l'aimant, il y a les pastilles piézoélectriques, il y a les thermocouples. Très bien, il faut faire attention, parce que lorsque vous allez utiliser votre technologie, la commercialiser et tout, vous risquez qu'il y ait des personnes qui vont apparaître. Vous avez utilisé ma technologie sans prétendre à la détruire. Sauf s'il est dans le domaine public, ça c'est autre chose. Oui, certainement, il est dans le domaine public. Et je cite seulement le moteur à courant continu qui est basé sur cette technologie. D'accord. C'était juste un conseil pour... pour tous ceux qui font... Peut-être, Max, peut-être, elle va lui dire, elle va utiliser trois principes, beaucoup plus les principes, plus que quelque chose déjà fait. Breveté. Donc, c'est trois principes différents combinés pour proposer une nouvelle. C'est ça ce qu'il voulait dire, plus qu'autre chose. Juste, petit rajout. Allez-y, M. Zien. Non, elle n'a pas le droit d'utiliser les techniques qui existent. Il faut juste signer des contrats ou des licences croisées. Ce sont des principes physiques qui existent. On utilise les équations de Maxwell. Ce sont des artifices qui existent déjà. On utilise des principes physiques. Non, je parle en général. Ce n'est pas uniquement pour vous. Ah. Il suffit juste que le problème, c'est les licences croisées. Parce que vous n'avez pas le droit d'utiliser des techniques qui existent. Bon, peut-être par rapport au principe, donc il y a le professeur Marouche, c'est le directeur de thèse de Mme Idem Badera qui voulait intervenir exactement pour apporter peut-être plus d'éclaircissement sur ce dispositif. Alors, bonjour tout le monde. En fait, je suis son encadreur. Quand on parle d'utilisation de différentes techniques existantes, non. C'est des principes de base. L'induction électromagnétique, vous la voyez dans toutes les industries. La simple induction électromagnétique, c'est ce microphone, je crois. D'accord. La simple induction électromagnétique, c'est la baffle que vous entendez là où il y a le son. D'accord. Partout. D'accord. Maintenant, nous, en exploitant, c'est une technique nouvelle. Chaque technique qui sont utilisées à l'intérieur, les trois, ça va être des nouveautés. On ne va pas exploiter les technologies existantes, non. On exploite les matériaux existants avec des géométries adéquates qu'on doit étudier et concevoir chaque élément de production d'électricité. En prenant par exemple l'induction électromagnétique à l'intérieur des bobines, c'est un principe classique qui durait depuis le Maxwell, Faraday, et ainsi de suite, qui est utilisé dans les machines. Moi, je l'exploite en utilisant des super-aimants. Vous voyez un super-aimant? Un super-aimant, actuellement, l'idée, elle m'est venue, c'est les aimants qui sont utilisés dans les disques durs des ordinateurs. Ils ont jusqu'à 10 puissance 6 ampères par centimètre. Si vous limitez à l'intérieur d'une simple bobine, d'une taille, de 2 cm, de 1,5 cm de diamètre, et qui a un mouvement de cet aimant qui reproduit le mouvement de n'importe quel objet, que ce soit humain, machine, n'importe quoi, il va vous délivrer l'équivalent de 2 volts. En associant plusieurs cellules, on peut avoir plusieurs volts. Maintenant, ce n'est pas toujours assez. Pourquoi? Parce que on peut bouger, produire, d'accord, mais il se peut qu'on ait immobile. On est au mieux la nuit. Là, on exploite aussi la thermoélectricité. La thermoélectricité, le thermocouple a été inventé à la nuit des temps. Une cellule thermoélectricité qui se colle sur le corps humain, elle a été inventée dans la nuit des temps. C'est pas ça qui date aujourd'hui. C'est pas une technologie qui appartient à quelqu'un. Maintenant, le thermocouple que j'ai l'idée moi, il est basé sur une seule jonction qui va délivrer des millivolts. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Avec l'aide, bien sûr, peut-être des chimistes, concevoir un thermocouple de N jonctions. Ça n'a jamais été fait. À moins que maintenant c'est confidentiel, je ne sais pas. D'accord. Encore, si vous voyez la piézoélectricité, c'est malheureux en Algérie, dans toutes les universités algériennes, on n'en parle même pas de la piézoélectricité. On la voit partout dans le monde. Des stades équipés de cellules piézoélectriques, quand on marche, le stade est allumé gratuitement. Des grands boulevards. Les simples souliers que vous voyez des enfants. Moi, j'exploite cette idée, c'est tout. Voilà. Comment je vais faire? Vous croyez qu'on a tous ces types de matériaux? Non. Les aimants, je vais les récupérer dans les ordinateurs.
dans les ordinateurs. Je vais dire, moi, la science, moi, je n'ai pas à cacher. Bon, tu me regardes. Voilà. Merci beaucoup, professeur Maroc, pour ces explications. Une dernière, c'est que concernant les piézoélectricités, c'est très simple. Un aimant qui se déplace, qui traverse une bobine, aux extrémités, il tape une cellule piézoélectrique, comme on fait dans le soulier, il génère de l'électricité triple. D'accord. Tous les trois types d'énergie, ils sont. On vous remercie, M. Maj, parce que d'accord. Vous n'avez pas le temps. On doit passer à une autre session, parce qu'il y a une autre session qui vient à Paris, puisqu'on a tout tardé. Donc, on vous remercie beaucoup. On remercie les doctorants.